Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. D'écouter avec clémence un pauvre humain, faible pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Le jour où je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive, ferme, du ciel héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette trace en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Frères et sœurs dans le Seigneur, le tabernacle de Dieu de Long Island vous salue dans le nom de Jésus-Christ. À vous qui nous écoutez de près ou de loin, TDL Live vous souhaite la bienvenue. Puisse Dieu nous gratifier de sa présence ce matin et accepter notre adoration. Nous allons commencer notre service en chantant avec notre sœur Rebecca Dimanche les paroles du cantique inscrit au numéro 16 du recueil des chants d'espérance, section française. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité. Chantons avec sœur Rebecca Dimanche. Et après ce chant, pasteur Dorville nous conduira dans la prière d'invocation suivie du Notre Père. Bonne adoration. Oui, je veux
Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses. Nous voulons te remercier pour ta grâce, pour tes bienfaits envers nous. Nous voulons adorer au matin, nous voulons offrir nos adorations tout à fait spéciales dans la matinée 1er dimanche mois novembre. Ça, nous voulons dire merci du fait que vous permettez que nous réveillions le matin et dans le rendez-vous que nous gagnons pour que nous venions faire l'orange pour nous ensemble dans ce livre pour que nous soyons capables d'adorer. Nous pouvons te remercier, ma barre au Seigneur Dieu, pour la vie que vous conservez à chacun de nous. Merci, Seigneur, de ce que vous permettez que nous vivions encore. Et c'est grâce à toi, Seigneur. Nous pouvons te barre au Seigneur Dieu, qui est d'adoration, ça. Nous pouvons te barre au Seigneur, serviteur qui gagne du service là. Nous pouvons te barre au Seigneur Dieu, tout le cantique qui vient pour chanter, tout le lecture parole, tout ça qui vient pour faire matin, nous remettre tout dans la main. Et nous remettons au Seigneur Dieu tout bien aimé nous, quel que soit côté où il est. Nous avons le temps pour vous aller visiter vous et permettre que le Seigneur Dieu ensemble, quand cette journée sera terminée. Et nous disons ensemble, c'est la journée qui détermine la fête et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu. Bénis le pasteur de cette assemblée, le pasteur endormi. Bénis sa famille, Seigneur Dieu, et les membres de cette église. Nous te demandons de les bénir, Seigneur Dieu. Nous voulons offrir d'abord à vous que nous. Car vous dites, non, Seigneur Dieu, abandonnez-nous à vous-même. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est à toi, Seigneur. Mais nous devons maintenant nous porter d'abord à vous la vie, nous, comme un sacrifice vivant. Et nous demandons, Seigneur Dieu, t'as pris recevoir nous en présence et admettre nous, Seigneur. Nous remettons un service à nos morts, éducation par nous. Si là, qui va bien pour faire la prière, l'intercession, les annonces et tout ça qui va bien pour faire matin et qui est tout capable de faire pour ta gloire et pour ton honneur. C'est la prière que nous t'adressons, son Père, nous en vertu de nos émeritoires. Mais nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, lui qui nous a appris à prier en ces termes. Hallowed be
us not into temptation, but deliver us from evil. Alternative du psaume 84, et ce sont les frères et sœurs Charles, Oscar Charles et sœur Eunice Charles qui feront pour nous cette lecture alternative du psaume 84 à la gloire de Dieu. Amen. Psaume 84 des fils de Corée. Que ta demeure soit aimable, Éternel des armées. Mon âme soupire, languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Des autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère te tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme se confie en toi. Amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made me
heart adore you. Oh, for the life that we here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Of all day, oh, so highly exalted, though earth in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for us they became poor. Here I am to worship. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my feet upon that bow. I'll never know how much it cost to see my feet upon that bow. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Nous allons maintenant entendre Pasteur Baudin dans la lecture de la parole de Dieu, et cette lecture sera faite dans deux passages. Le premier, c'est Isaïe 59, les versets 1 à 11, et le deuxième, c'est Psaume 27, les versets 1 à 3. Pasteur Jimmy Baudin dans la lecture. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang
et vos doigts de cri, vos lèvres pour taire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des doigts des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent pas se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long de murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi. Comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas. Le salut et il est loin de nous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Nous allons entendre à nouveau Sœur Rebecca Dimanche dans un chant spécial à la gloire de Dieu. Sœur Rebecca Dimanche. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord. Lead me on. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand. Lest I fall, take my hand, precious Lord, lead me on. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone.
Seigneur, qu'un même et de vrai, j'étais femme, moi bouquet, fatiguée, tellement. Allons passer à la prière sacerdotale. Et pour ce faire, nous allons demander à notre frère Fontaine de chanter pour nous les paroles du cantique inscrit au numéro 116, section créole. Moins besoin Jésus, c'est ça que me reconnaître. Non point en nous qu'on lit l'âme non tristesse. Moins besoin Jésus, moins bien content admettre. Les autres capotes fadoyo, besoin Jésus. Et frère Paul Compère fera pour nous la prière sacerdotale et sœur Bozil chantera pour nous une strophe après la prière. Yeah.
toi qui nous as créés par ton Fils Jésus-Christ, toi qui nous as donné la vie et qui nous assiste par ton Saint-Esprit. Ce matin, ô notre Dieu, nous avons besoin de toi. En t'offrant ce service d'adoration, ô, nous sommes joyeux. Notre cœur est rempli de joie parce que, Seigneur, tu es au milieu de nous. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons, nous te louons, car toi seul, Seigneur, mérite l'adoration, la louange et l'exaltation. Ce matin, ô notre Dieu, nous nous réunissons en ta présence, en compagnie de nos frères, bien que nous sommes séparés l'un de l'autre, car il y en a parmi nous qui sont en Floride, en Géorgie, à New Jersey, au Canada, en France, un peu partout à travers le monde. Ici, Seigneur, à Brooklyn, à Long Island, à Queens, nous nous réunissons, Seigneur, pour te rendre gloire. Oui, ce serviteur a chanté, nous avons besoin de toi. Quand nous regardons, Seigneur, nos fardeaux, nos douleurs, nos chagrins, nos peines, qui peut, Seigneur, nous les aider à porter ce fardeau, ces fardeaux, ô notre Dieu, toi seul, Seigneur, tu es capable, car tu connais le chemin, toi seul peux nous aider, car les autres ne peuvent pas nous aider, car ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. Mais toi, Seigneur, tu as porté le fardeau du péché à la croix. Et sur la croix, tu as payé la dette de la culpabilité et de la condamnation du péché. Ce matin, ô notre Dieu, nous te louons. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour tes bienfaits envers nous. Nous te prions, Seigneur, afin de nous garder dans ce monde difficile, dans ce monde ténébreux. Ce matin, ô notre Dieu, nous te disons merci pour ton serviteur, le berger du tabernacle de Dieu, Seigneur, que tu as placé au milieu de nous. Car tu connais ses faiblesses, tu connais ses manquements, mais à la manière de Josaphat, ses yeux sont sur toi. Bénis-le pour nous, Seigneur. Bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et aide-leur à comprendre que tu es leur secours, leur protecteur. Aimer, ô notre Dieu, qu'ils puissent sentir que lui seul ne peut pas compter sur lui-même ou sur ses enfants, sa famille, mais il compte sur toi, Seigneur. Ce matin, donne-lui de la sagesse et de l'intelligence afin de te chercher toujours, ô Seigneur, pour mener à bien ce troupeau. Ce matin, ô notre Dieu, nous te présentons nos frères et sœurs, là où ils sont, Seigneur, permets qu'ils puissent trouver grâce devant toi, car il y en a parmi nous, Seigneur, qui sont malades, qui souffrent dans leur corps physique, ils ont besoin de toi. Donne-leur, Seigneur, de ta grâce, permets que toujours tu puisses les assister, les visiter, les consoler, Seigneur, dans ces moments les plus durs de la vie. Seigneur, ce matin, ô notre Dieu, nous te prions, Seigneur, pour tous les ouvriers, ceux-là qui travaillent à côté de notre pasteur, pour mener à bien, Seigneur, cette œuvre. Nous te prions, Seigneur, de nous donner de la sagesse et de l'intelligence afin que nous puissions apprendre de lui chaque jour pour faire marcher à bien cette œuvre, ô notre Dieu. Ce matin, nous te prions pour le monde entier. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays, Haïti, car tu connais, Seigneur, tout ce qui se passe. Par nous autres de la diaspora, assez souvent, nous voudrions visiter notre pays, apporter un peu de soutien à nos frères qui souffrent, qui ont besoin de nous. Mais malheureusement, Seigneur, nous ne sommes pas bien accueillis.
Nous avons de la peur, car quand nous sommes arrivés en Haïti, n'était-ce pas toi, Seigneur? Nous ne pouvons savoir que faire, mais heureusement, Seigneur, tu nous as promis ta présence, tu nous assistes toujours. Nous te prions de changer les cœurs de nos frères qui sont en Haïti. Permets qu'ils puissent comprendre que nous sommes frères. Nous sommes enfin d'une même nation. Nous avons été en Haïti assez souvent, mais quand nous leur parlons, il semblerait qu'ils ont besoin, Seigneur, de nos dollars, de nos supports. Mais notre présence, il vaut mieux pour eux de rester ici aux États-Unis, travailler et de leur envoyer de l'argent. Permet au notre Dieu que ce peuple puisse tourner et regarder toi et que toi, Seigneur, tu les visites. Ce matin, au notre Dieu, nous te prions pour ce pays d'accueil, les États-Unis d'Amérique, ce pays, Seigneur, qui est en pleine élection. Tu connais tout, Seigneur, car tu es le Dieu par excellence, toi qui connais ce qui est bon, ce qui est agréable pour ce pays. Choisis pour nous, Seigneur, quelqu'un qui puisse diriger selon ta volonté, selon ta grâce. Ne permets pas, Seigneur, que ce peuple se tourne vers les politiciens, vers les hommes, Seigneur, qui réclament afin de voter malgré, Seigneur, ce que nous avons constaté, ce que nous avons vu en ces jours. Seigneur, donne-nous de l'assurance que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, mais nous avons besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, la paix que notre âme a tant besoin. Nous savons, Seigneur, que ces deux jours qui restent apportent beaucoup, enfin, de douleur, beaucoup, enfin, Seigneur, de chagrin. Mais nous voulons croire, car tu as déjà choisi celui, Seigneur, que tu veux diriger ce pays. Car les États-Unis, Seigneur, étaient le champion de la propagation de l'Évangile. Mais depuis longtemps, Seigneur, ce peuple n'est pas aimé à cause, ô Seigneur, de la façon dont les dirigeants, Seigneur, dirigent et le monde entier est en bouleverse. Nous avons besoin, Seigneur, de quelqu'un qui puisse vraiment réconcilier ce pays, réconcilier ce peuple entre eux et permet, Seigneur, que l'Évangile puisse faire son chemin à travers les œuvres humanitaires, à travers l'évangélisation du monde. Donne-nous, Seigneur, cette paix que nous avons besoin. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour Israël, le pays dont tu as donné, Seigneur, ce coin de terre. Nous savons qu'il y a pas mal de bouleverses aussi en Israël. Le monde entier, Seigneur, a besoin de toi, car ce coronavirus, Seigneur, qui frappe dans tous les pays, combien, Seigneur, les hommes tombent par milliers chaque jour. Toi seul, Seigneur, peux donner un médicament, un vaccin pour vraiment contrôler ce fléau qui apporte du deuil, du chagrin dans nos cœurs. Ce matin, ô notre Dieu, nous sommes venus à tes pieds pour t'entendre parler. Ô notre âme a soif de ta parole. Donne-nous, Seigneur, ce que nous voudrions recevoir ce matin pour enfin dire, après avoir entendu ta parole, c'était bon, c'était agréable pour nous de t'écouter, car tu vas nous nourrir à cause de nos besoins. Ce matin, Seigneur, nous te présentons le prédicateur du jour. Malgré sa préparation, il ne sait que dire. Sers de lui, Seigneur. Mets ta parole sur ses lèvres afin qu'il puisse prêcher. Et en retour, Seigneur, nous puissions dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée de grâce et de paix. Ce matin encore, merci pour ton serviteur, celui qui dirige ce service. Merci, Seigneur, pour les chantres. Cela, Seigneur, que tu t'es servi d'eux pour en faire nous parler. Ce matin, Seigneur,
Donne-nous toujours de l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Bénis tous les chrétiens à travers le monde, ceux-là qui, comme nous, ô Seigneur, t'adorent et te louent chaque jour. Bénis-nous, Seigneur, reste avec nous. Nous t'en prions, non à cause de nos mérites, mais au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Toi qui disposes de toutes choses, et nous la donnes chaque Pasteur Dormé dans les salutations et les annonces de la semaine. Bonne audition. Bien-aimé en Jésus-Christ, le Seigneur fait encore grâce les accorder à chacun de nous l'opportunité de nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés et de cœur, d'âme et d'esprit, nous sommes ensemble pour que nous capables de continuer à faire monter vers lui et des hymnes de louange, d'action de grâce, des hymnes de reconnaissance, car il est notre Dieu, il est notre Père, et il nous tient dans sa main. Nous voulons, puisque le Seigneur permet que nous commencions un nouveau mois, le mois de novembre, nous voulons, premièrement, saluer Silayo qui gagnait un nouvel anniversaire et nous a profité de la circonstance pour nous dire joyeux anniversaire et en même temps prononcer une parole en leur faveur. Et nous appelons pour eux en Ésaïe 60, le verset 19. Ésaïe 60, le verset 19, car là il est écrit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous voulons saluer, dans le moment ça, les visiteurs qui retrouvaient ensemble avec nous. Et si c'est pour la première fois que vous êtes ensemble avec nous, nous souhaitons que bon Dieu capable de déverser sur vous ses bénédictions en abondance. Et nous souhaitons que vous toujours retrouvez nous dimanche après dimanche pour que nous unissons et dis bon Dieu merci de ce que les intervenus dans la vie nous. Les permettre que nous capables de vivre, les permettre que nous attendons l'évangile, les permettre que nous capables d'avoir l'espérance un jour pour nous voir le Seigneur face à face. Nous voulons saluer nos frères et nos sœurs, c'est là qui retrouvent à Long Island, ça y qui à Brooklyn, à Bronx, en Floride, à New Jersey, au Canada, en France, et c'est là qui en différé, toujours retrouver nous au cours de la semaine. Frères nous et sœurs nous qui en Irlande, en Russie, au Portugal, au Cameroun, à Cuba, la Dominique, Haïti et l'autre pays qui est sur la terre et que bon Dieu bah yo possibilité que yo capable connecter avec nous par le biais de l'internet. Donc nous dit bon Dieu merci de ce que l'évangile qui arrivé côté que pied nous pas capable arriver mais le Seigneur permet que nos voix capable arriver là. Les mondes qui attendent l'évangile pour le salut de leur âme. Comme moi, j'ai annoncé nous depuis
vendredi et samedi, moi t'ai fait nous connaître que Asoya n'ont pas gain service. Songez ça, Asoya nous libre, nous capable rester avec famille nous pour la prière. Et mais cependant de lundi à jeudi, nous va retrouver nous ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Vendredi soir, comme à l'ordinaire, nous va gain étude biblique. Nous t'ai commencé avec l'étude sur la divinité de Jésus-Christ. Nous espérons que vendredi prochain, après continuer avec l'étude ça. Samedi soir, nous va réunir encore pour solo, témoignage et déposer requête non par devant la table du Seigneur. Dimanche prochain, ce sera le deuxième dimanche du mois de novembre, nous va retourner encore en ligne pour notre culte d'adoration et de louanges à Dieu. Et après le service de ce matin, nous va gagner la joie pour que nous célébrer ensemble encore une fois la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par l'administration de la Sainte Cène. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, priez. Priez. Priez particulièrement pour les États-Unis d'Amérique. Pour que bon Dieu capable de prendre contrôle de peuple Silla et pour permettre que tout le monde est capable de garder calme à l'heure de l'élection. Car comme nous connaissons, c'est une élection pas comme les autres, mais nous sommes capables de compter sur le Seigneur de telle sorte que il est capable de calmer les esprits, calmer les tensions. Et nous avons demandé, bon Dieu, pour que les mêmes dans volonté, il est capable d'aider nous, aider le peuple américain à choisir celui qui doit conduire la destinée de ce peuple pendant les 4 ans à venir. Et également, prier pour Haïti. Ce pays pas nous, nous connaissons à qui ça que l'a confronté, mais nous connaissons que nous sommes capables de remettre dans la main bon Dieu parce que du haut de son ciel, les ouais, situation nous. Et plus que jamais, nous avons besoin de sa présence, de telle sorte que nous sommes capables de connaître que frère nous, avec soeur nous, qui là-bas, que nous sommes capables de vivre en sécurité. Nous avons souhaité un bon dimanche à chacun de nous et nous souhaitons que le Seigneur continuez à garder nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Sans Jésus, moi pas capable de vivre, moi pas capable faire un seul pas. C'est lui-même seul moi t'a voulu suivre. Moi suivre lui jouk sa kaba, anye mwen pa gen pou kren. Puisque so ve ma veye, ma suive li san mwen pa jan plen. Li pap ki te mwen eye. Amou li avec promesse li, ple que mwen ak yon gran joa. Mwen met tout feb, mwen met kagou. Sete la bom la victoire, anye mwen. Pa gen pou m kren, puisque sauve ma veye, ma suiv li san mwen pa jan plen, li pap ki te mwen eye. Le fe noa vin pou fem tremble, avec lui, moins bras facile, le voix Satan a pégondé, moins été doucement tranquille, en yen moins pas gain pour me craindre, puisque sauve
Ave Maria, ma suivi sans moi pas j'en plein li pap qui témoigne Jésus était tout ça qui trop non que moi pour moi marcher purifiez-moi, lavez-moi, faites-moi propre. Jean, bon Dieu, v'lez pour moi, en rien moins, pas gain pour me craindre. Puisque sauve ma veille, ma suivi, sans moi pas j'en pleine, li pap qui témoigne. Pasteur, dormez dans la prédication de la parole. Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, sûrement, en pile le nom, t'as capable poser cette question en raison de la lecture qui a été faite en Ésaïe 59, allant du verset 1er au verset 11. Et on t'a demandé, mais quel est le rapport qui existait entre ce passage et les trois premiers versets du psaume 27, qui c'est un psaume de David. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le Esaïe lui-même lui a écrit ces passages. Nous t'a demandé, est-ce que tu te connais qui ça t'a arrivé dans les années 2000? Qui ça t'a gagné? Qui fait que lui t'a exprimé de la sorte? Mais nous rendons compte que si le monde a fonctionné et le monde, mot pour acte, accomplit exactement ce que Esaïe t'a écrit en Esaïe 59, mais pour le serviteur de Dieu, pour la servante du Seigneur, David écrit au psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il posait la question, de qui aurais-je crainte? Il reprend pour le dire que l'Éternel est le soutien de ma vie. Et à partir de ce moment, il dit, de qui aurais-je peur? Et c'est ça que fait nous autres, en tant que chrétiens, la situation est difficile. Nous chanter les paroles de ce cantique, les toutes barrières à porte fermée, n'a point route pour passer, les toutes espoirs perdus pour moi. Le serviteur, avec confiance et assurance, il est capable de dire, moi trouver bon Dieu là. Ainsi, je donne pour titre au message d'aujourd'hui, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma délivrance. En effet, nous avons dit au pluriel, le Dieu de notre délivrance. Mais je voulais que chacun de nous approprie cette expression ou dit ou même de manière personnelle, le Dieu de toute éternité est le Dieu de ma délivrance. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vivions une époque extrêmement difficile. Nous sommes capables même de parler d'une époque chaotique, une période troublante, une période qui portait stress pour tout le monde. Parce que les événements en cours, ils n'ont pas porté joie dans le cœur de personne. Et les situations sont tellement graves à l'échelle planétaire, sur toute la Terre. Nous sommes capables de dire que
nous qu'à comparer vraiment ce qui a passé dans le monde entier à ce que Esaïe te dit. Dans Esaïe 59, allant du verset 3 au verset 11, parce que là, Esaïe écrit, et m'espérait que Bible nous ouvre, n'a gardé ensemble avec nous. Esaïe écrit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et dit des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Et Esaïe a continué. Il dit, ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Et puis, il dit de bagaille qui doit attirer attention. L'homme du 21e siècle, c'est pourquoi la reine de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. D'Y. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons tous comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Donc, pensez que même gens que m'a imaginé ça t'a passé dans tête Esaïe, nous-mêmes tout n'a pensé à ça et nous a gardé le chaos, l'état de perversité, l'état de trouble que Kounia l'homme connaît dans plein 21e siècle. Et cet état est si accablant que en pile monde t'a capable demander oh est-ce que gagne une parole d'espérance pour notre consolation, est-ce que bon grand pas côté nous t'a capable réfugier tête nous, est-ce que gagne une ancre même Jean bateau a jeté l'ancre et puis la gripper, est-ce que gagne une ancre ou l'homme du 21e siècle capable à gripper. Et comme dans le langage de Silayo, du commun des mortels, il dit, il pas connaît à qui saint se vouer. Mais Dieu merci, le chrétien, je parle du chrétien, du serviteur de Dieu, de monde qui connaît que y a un bon Dieu, comme Dieu de la délivrance. Même là, il engagé dans un chemin ténébreux. Même là, il n'y a pas de route pour y passer. Même là, tout le bagage paraît noir pour y. Mais il connaît que il est capable d'être clair et il est capable de dire même Jean avec David. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel
est ma lumière. Voilà, mes frères, mes sœurs bien-aimés, une parole qui est capable de réconforter le cœur nos matins. Mais une parole qui est capable de rassurer nous, parce que leur parole est vraie, pour obliger vos yeux en haut, pour reconnaître premièrement, ensemble avec David, ensemble avec tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de foi, tout le monde qui a confiance qui est placé dans le bon Dieu, pour qu'on ait en dépit de tout, l'Éternel est ma lumière. Quand la situation n'est pas claire, l'Éternel est ma lumière. Quand le soleil s'assombrit, l'Éternel est ma lumière. Quand les nuages couvrent ciel là, l'Éternel est ma lumière. Quand le désespoir semblait à envahir la terre, le chrétien crie, l'Éternel est ma lumière. Quand l'ange du découragement planait sur toute la terre, côté tout le monde, sans qu'il n'y ait pas qu'on ait qui ça pour faire, le chrétien exclame, l'Éternel est ma lumière. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, quand le danger, le danger subtil, mais imminent, quand le risque est fort, parce que bien de l'heure, où est-ce qu'on doit prendre la rue, parce que le risque est fort, quand les menaces sont violentes, parce que mes frères et mes sœurs bien-aimés, bien de texte qu'on reçoit, ou bien l'impression qu'il y a une menace, et qui fait violence, parce que le frappé, quand toute bagaille paraît noire, chrétien capable dit, l'Éternel est ma lumière. Parce que le David a dit, l'Éternel est ma lumière. La situation n'est pas de bon pour lui. Mais il était capable de compter sur mon Dieu. Et il te dit, Dieu, l'Éternel est ma lumière. Oui, lumière, mon frère, ma sœur. Car Dieu apporte la sécurité. Oui, lumière. Car Dieu apporte la joie. Oui, lumière, parce que nous capables, bon Dieu, capoter la paix, le nous troubler. Oui, lumière, parce que quel que soit Jean, ça va venir. Dieu apporte le bonheur. Et c'est ça que fait nous sommes chanter. Et nous chanter avec conviction. Les faits noirs viennent pour faire trembler. Avec lui, moins brave, facile. Oh, mes frères, bon, dis-nous, force chrétien, oui, pour faire noir, bien, pour faire trembler, et vous répétez avec lui, avec Dieu, avec Jésus, avec mon Seigneur, moins brave, et moins brave, facile. Auteur a continué de dire, les voix Satan a grondé. Oh, mes frères, ils viennent sous toute forme. Les voix Satan a grondé. Moi, répétez doucement, tranquille. Et dans le refrain, le serviteur, dans son calme, lui dit, rien, moi, pas bien pour me craindre, puisque Sauveur a veillé. M'a suivi. Sans moi, pas jamais craindre, les papes qui témoignent, n'ayez. Plus allègrement, nous devons chanter, mes frères, les paroles de ce cantique. Les nappes marchent à Dieu, dans la lumière, parole. Parce que ces paroles-là, oui, qui portent la lumière pour nous. Ces paroles-là qui portent la paix. Ces paroles-là qui portent le repos. Oui, les nappes marchent à Dieu. Nan lumière parole li, ki belle gloire li voye sou wout nou. Pen genyen nan deuxième verset a li di, l'ombrage ki va paraître, tout nuage ka nan ciel la. Et là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou même qui compte chant, ou même qui habitué chanter ensemble avec nous, gardez bien qui sa auteur a dit, le film dit l'ombrage qui va paraître, tout nuage cadencé là, lui ajouter, souris Jésus. Oh, alléluia. Souris Jésus va faire disparaître.
sourire Jésus va faire disparaître. Oh, j'aime cette parole d'Ésaïe. Ésaïe 60, verset 19. Côté, Ésaïe écrit, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. » Je vais me reprendre pour nos frères mieux. « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. » Et d'y ajouter, « Ton Dieu sera ta gloire. » Ton Dieu sera ta gloire. À la question, y a-t-il une parole d'espérance pour se consoler? Je dis que le chrétien doit proclamer deuxièmement, même Jean que David t'a proclamé, l'Éternel est mon salut. Oui, l'Éternel est mon salut. Cela veut dire, l'Éternel est ma délivrance. Il est le Dieu de la délivrance. Qui ça, bon Dieu, parfait pour moun palio, n'entend ça. Puisque li connaît que nous en bas ici. Li connaît qui ça n'a passé. Jusqu'à présent, son église est encore sur la terre. Que ne fera-t-il pas pour son église? Que ne fera-t-il pas pour son serviteur? Que ne fera-t-il pas pour sa servante? Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est ça que fait Mabdino. Nous besoin plonger, regardons dans la parole de Dieu. Parce que voilà ce que la Bible rapporte à propos du peuple d'Israël et de son Dieu. En Exode 3, le verset 7, allant du verset 7 au verset 8, la partie A, l'Éternel déclarait, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Mes frères, c'est l'observation de Dieu. Dieu observe, Dieu regarde, Dieu voit. On ne veut pas que nous mettons en tête, nous, que le Seigneur paroît nous. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est l'observation de Dieu. Il dit, deuxièmement, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est l'attention de Dieu. Mon Dieu, gain attention l'y porter sous ou même mon frère. Mon Dieu, gain attention le porter sous ou même ma sœur. Dieu, gain attention le porter sur son église. J'ai entendu les cris, dit-il. Mais le bras le dit troisièmement, je connais ses douleurs. Oh mes frères, peut-être que tu as demandé, mais jusqu'au côté bon Dieu, il est dans le ciel là, comment qu'on est douleur, nous? C'est la perception de Dieu. C'est la perception de Dieu. Il sentit les douleurs que n'a subies dans les circonstances actuelles. Les douleurs morales. Les douleurs émotionnelles. Non seulement dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, non seulement je connais ses douleurs, mais il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, en parlant du peuple d'Israël. C'est l'action de Dieu, mes frères et mes sœurs, bien-aimés. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était en action pour le peuple d'Israël. Pas comprendre que ça va passer, que bon Dieu pas en action. Pour chacun de nous, Dieu exercera sa miséricorde. Songez, frère Maxime, qui moun, bon Dieu, nous en yé, qui action que le te compte poser pour moun qui se moun pali, bon me dit encore. Songez, qui action que bon Dieu te toujours compte poser pour moun qui moun pali. Et puisque c'est moun pali, ou qu'à comprendre? Songez que au psaume 136, selon sa miséricorde, il est celui qui frappa
les Égyptiens dans leur premier-né. Il est celui qui fit sortir Israël du milieu d'eux. Il est celui qui coupa en deux la mer Rouge. Il est celui qui précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Il est celui qui conduisit son peuple dans le désert. Il est celui qui frappa de grands rois, qui tua des rois puissants. Il est celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Il est celui qui donne la nourriture à toute chair. C'est votre Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Amen. Alors, mes frères, déjà avec reconnaissance, chacun de nous devrait chanter, chanter à vive voix, que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, pas quitter problème, faut qu'on ait qu'on son monde qui est heureux. Parce que, ou bien bon Dieu dans la vie, en dépit de toutes les circonstances, en dépit des tracas, en dépit des problèmes, en dépit des menaces, en dépit de ça que l'homme capable dit, et ça que l'homme capable fait. Songez premièrement au capable dit l'Éternel est ma lumière. Deuxièmement, l'Éternel est mon salut. Et avec David, à l'instar de David, chacun de nous t'a doué dit, Jean-David dit, troisièmement, il est le soutien de ma vie. Oh mes frères, il est le soutien de ma vie. Besoin que nous comprenions ce terme dans sa valeur étymologique. L'Éternel est mon soutien. Et c'est ça que fait David. Il était capable de dire, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Dans l'adversité, mon frère, ma sœur, oui, dans l'adversité, l'Éternel, c'est le soutien qui nous aide à tenir ferme. Dans la détresse, l'Éternel, c'est l'appui qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Alléluia. La terre se fait d'épouvante. Et chaque chrétien capable dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Au psaume 61, le verset 3, Salmis l'a écrit, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je reprends. La parler à Salmis là, a parlé à bon Dieu là, à l'Éternel, le soutien de sa vie. Il dit, tu es pour moi un refuge, une tour forte. En face de qui? En face de l'ennemi. Et en Proverbe 18, le verset 10, là, il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Oh, je reprends. Le nom de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, songez que dans ça que nous avons passé, dans le problème que nous sommes capables de confronter, songez en toutes circonstances, citez le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et c'est ça fait qu'il y a un auteur qui écrit un cantique que j'aimais chanter avec chorale. Il dit, Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage. Et auteur a écrit,
Et ces paroles, moi, matin, c'est ta vraie parole. Et je suis consolé. Et il termine, cantique là, côté l'écrit, mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Si, dans tant de ténèbres que nous vivons actuellement, nul ne se plaint avec justice, c'est ça Isaïe dit. Si, en ces temps de ténèbres, parce que en plein midi, nous avons l'impression que c'est ténèbres. Si en ces temps de ténèbres, nul ne plaide avec droiture. Wow! Si en ces temps de ténèbres, les hommes s'appuient sur des choses vaines, disent même des faussetés, après dire, il y a des bagailles qui passent ça. Si en ces temps de ténèbres, ils conçoivent le mal. Oh, mes frères, mes sœurs bien-aimés, n'a pas demandé, sont-ils les humains? Ils conçoivent le mal, ils enfantent le crime. Si en ces temps de ténèbres, des hommes couvent, oh, ces poules, moi, qu'on couvait, mais la Bible dit, nous, des hommes couvent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Si des actes de violence sont dans leurs mains, si leurs pieds courent au mal et ont hâte de répandre le sang innocent, ou même mon frère, ou même ma sœur, au besoin du Seigneur, merci. Parce que dans l'école Seigneur, il nous éclaire, dans l'école, il nous éclaire de sa lumière. À son chevet, il nous assure de son secours, de sa délivrance, de ses bras forts. Je parle de ses bras, les bras de l'Éternel, les bras forts de l'Éternel. Il nous assure de quoi? De son soutien. Et dans ses pâturages, il nous garantit de sa sécurité. Je dis bien de sa sécurité, la sécurité de l'Éternel. Et par cette douce parole, parce que dans la parole, il y a deux fois, mes frères, si ce n'est pas de parole, ça, nous t'a vraiment des frayeurs, nous t'a tremblé. Mais par cette douce parole-là, contre parole-là, on était calme, parce qu'il nous apporte la paix, il nous apporte la joie, et il nous apporte la vraie vie. Au psaume 32, le verset 8, et c'est sa femme dit, nous avons besoin. Allez dans la Bible là souvent. Il dit, je t'instruirai. Oh, alléluia. Je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Bon, moi, prenez-vous, non. Je t'instruirai. C'est l'Éternel qui a parlé. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Merci Seigneur. Au psaume 121, le verset 4, là il est écrit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. En 1 Samuel 2, le verset 9, la partie A, là il est écrit, il qui remplace l'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés. Oh, je reprends pour vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il qui remplace l'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés. Mais ou même avec, même gens ou qu'on aime, et me saute répéter pour nous les paroles du psaume 46, les deux premiers versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Au psaume 91, le verset premier,
Là, il est écrit, il m'a demandé au Kembe, 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 verset ça pendant toute semaine. Là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose-toi, mon frère, tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tout au long de la fin de cette année. Repose, oui, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toutefois, mes frères, mes sœurs bien-aimées, nous-mêmes que le Seigneur mettait sous ligne ce matin, bon, dis-nous en ces temps de ténèbres, notre cantique et notre prière. Notre cantique et notre prière, c'est de dire au Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. En toi, nos cœurs ont salué leur maître. En toi, notre âme, alléluia. En toi, notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Oui, puisse t'attendre de nous. Répétez en tout temps ces paroles réconfortantes et encourageantes, à savoir, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. De qui aurais-je peur? Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Oui, nous avons besoin du Seigneur. Alors, nous allons chanter avec Sœur Rebecca Dimanche les paroles du cantique inscrit au numéro 120, comme annoncé par Pasteur Dormé. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Et après ce chant, Pasteur Dormé nous conduira au service de la Sainte Seine. Notre sœur Rebecca Dimanche, à la gloire de Dieu. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tous, nous implorons. Du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, et il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Sœur Marie Bozil. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, comment ne pas te remercier pour le sacrifice du calvaire? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Merci Seigneur pour ce sacrifice à notre place. Merci Seigneur pour la croix où tu te donnas. Merci Seigneur Dieu pour la résurrection. Merci pour la victoire que tu nous as donnée aussi à travers Jésus-Christ ton Fils. Merci Seigneur pour nos bien-aimés frères et sœurs. Merci pour le pain qui est le symbole du corps de Jésus-Christ déchiré à la croix pour le pardon de nos péchés. Et permets Seigneur Dieu à ce que ce pain nous communique la vie et la vie en abondance. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu. Bénis-nous ce matin et bénis ce pain. Et permets que, Seigneur Dieu, notre vie soit en harmonie avec toi. Et que nous te glorifions, nous te louons, nous te salmodions. Bénis pour nous ce pain, encore une fois. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur, au nom de Jésus, de qui vit qui règne, de maintenant au siècle de ce soir. Amen. Sœur Henri Bossier. Saint-Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Cet esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Saint-Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Ce pain est un symbole. Symbole du corps de Christ, déchiré à la croix pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ.
jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, remplir nos cœurs dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a attaché à la croix pour moi. Ô tendre Père céleste, nous nous approchons par devant le trône de la grâce. Nous y sommes venus, ô notre Dieu, premièrement pour te demander pardon, car ce sont nos fautes que le Seigneur Jésus-Christ a portées et qu'il a conduit à la croix du calvaire. C'est là qu'il fut attaché. Et c'est pour moi, c'est pour chacun de nous qu'il a subi les châtiments. C'est à cause de nous que son sang fut versé. Mais avant de quitter la terre, il nous a dit, pour que nous nous rappelions de lui, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Ne laisse pas que nous prenions le vin, ô Dieu notre Père, avec légèreté. Fais que nous comprenions la valeur de ce sacrifice. Et que, de cœur repentant, ô Dieu notre Père, nous nous approchions autour de ta table pour commémorer sa mort, mais bien plus sa résurrection en gloire. Seigneur, prépare-nous pour le ciel. Prépare-nous, ô notre Dieu, pour ce jour merveilleux où nous serons à table avec notre Sauveur. Prépare-nous pour ce jour où nous le verrons face à face, le jour où il se scindera et passera pour nous servir. Oh, quelle grâce, quelle merveilleuse grâce. Merci pour cet amour merveilleux que tu nous témoignes. Et fais qu'en retour, ô Dieu notre Père, que nous fassions monter vers toi des hymnes de reconnaissance pour Jésus-Christ. Entends notre prière, aide-nous à griller notre demande, puisque c'est encore par Jésus-Christ que nous l'adressons. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant
a-t-elle pris pour me rendre heureux? Attachée à la croix pour moi, attachée à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attachée à la croix pour moi. Ce vin est un symbole, symbole du sang de Christ versé à la croix du calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, puisse la paix donnée par Jésus-Christ et apporté par l'évangile de paix, remplir nos cœurs dès ce matin jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous. Sœur Jokaïel, c'est ça. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élève nos chants et nos vœux. Parfum doux, ô Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours et unis. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.